présidente. Monsieur Viala. Madame la présidente, c'est précisément sur la question, c'est précisément la question du barème national qui suscite cet amendement de mon collègue Breton, qui propose donc de supprimer la référence à un barème national. J'en profite pour dire aussi, en particulier à mon collègue de l'Aveyron, que si on est contre ce principe-là, je ne vois pas comment on peut être favorable, fût-ce à une expérimentation, parce qu'on introduit dans la loi et dans les faits une disposition qui finalement, en plus de susciter tous les doutes qui ont été largement évoqués sur les amendements de suppression précédents, crée une différence de traitement entre les justiciables qui seront soumis à l'expérimentation et ceux qui ne le seront pas. Et donc certains seront soumis à l'application d'un barème dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, alors que d'autres continueront, quitte à devoir attendre que le passage devant le JAF se fasse, à être traités par un professionnel de la justice. Donc je pense que vraiment, on aurait gagné à supprimer tout simplement la disposition, mais en l'occurrence, la question du barème est l'objet de cet amendement. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Je voudrais juste rappeler que ce barème, on n'invente pas. Il existe. Il existe aujourd'hui et c'est celui qui est appliqué aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de réinventer un processus, mais de pérenniser un processus dans son application, en tout cas. Je vous remercie. Alors, Monsieur Latombe, puis Monsieur Viala. Oui, Madame la rapporteure, j'entends ce que vous me dites. C'est lequel de barème ? Est-ce que c'est le barème indicatif tel qu'il est publié par le ministère de la Justice? Si c'est celui-là, il est, un, indicatif, et deux, c'est ce qu'a rappelé notre collègue, le juge peut s'en servir de base, mais doit apprécier les capacités contributives des deux parents. Et donc, il module le barème en fonction de la situation. Quand aujourd'hui, je vous le dis, parce qu'on a pas mal de décisions qui arrivent, sur lesquelles on pourrait avoir, ça sera l'objet d'amendement ensuite, mais on pourrait avoir des pensions alimentaires selon le barème qui seraient plus importantes alors qu'on vient de perdre son emploi que la pension alimentaire qu'on avait versée alors qu'on était en plein avec l'emploi précédent. Enfin, il y a un problème. Tout ça parce que dans le barème, on ne tient pas compte du passif. On ne tient pas compte du passif de la personne. On ne tient pas compte des facultés contributives de l'autre parent. Et donc le juge qui modulait ce barème, aujourd'hui, si on applique strictement le barème, ne marchera pas. Un exemple que j'avais déjà donné en séance, mais on va le prendre, deux familles qui habitent sur Paris, l'un est propriétaire de son logement, pas l'autre, et doit payer un loyer. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, le juge, lui, l'appréhende, le juge, lui, le calcule dans la capacité contributive de l'un des deux parents, par exemple celui qui doit verser la pension alimentaire, alors que l'autre, étant propriétaire de son logement par héritage, par n'importe quel mécanisme, n'a pas à payer de loyer. Donc on a une vraie difficulté quand cette personne perd son emploi. Comment est-ce qu'on fait en application du barème, qui est simplement un barème dans lequel on entre par le revenu du débiteur de la pension alimentaire? Je vous remercie, Monsieur Viala. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais dire à Madame la rapporteure que sa réponse nous inquiète doublement. D'abord parce qu'elle tente à signifier que finalement les juges ne font aucune plus-value dans le traitement de ces affaires-là, et que puisqu'un barème existe, nous n'avons qu'à l'appliquer, et la modulation que vient de décrire mon collègue, qui est justement le métier du juge, n'a absolument aucun intérêt. Et secondement, puisque vous dites clairement qu'il existe un barème et que ce barème peut être appliqué, vous dites également que ce que vous introduisez comme une expérimentation est tout simplement appelé à être généralisé très vite. Donc, nos craintes n'en sont que renforcées.